Ouf. 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 Oh, comme c'est dur quand tu veux faire une déclaration d'amour en arabe. Voilà, tu veux dire à la meuf mon cœur. Comment on dit cœur? Gulb. Gulb. Voilà, c'est pas excitant. Gulb, la vie de ma mère. Et mon gulb. Gulbi. Amri. Hobby. Oh, je déteste les meufs qui parlent comme ça. Voilà, la dîme, une meuf, elle parle comme ça. Impossible, je bande. La vie de ma mère. Hobby. Gulbi. Gulbi. Voilà. C'est quoi? C'est pas un film? Gulbi, le magnifique. Ah, c'est Gatsby, je crois, un truc comme ça. Gulbi, gulb. Wallah, on dirait une poche de sang horrible. Je sais pas, en français, mon cœur, c'est mignon. En espagnol, corazón, c'est mignon, mon cœur. Et en rebeu, gulb, gulb, gulbi. Wallah, on imagine des boyaux, des intestins, je sais pas, wallah. Les gens, ils sont là, ouais, une meuf de perdu et 10 de retrouvé. C'est complètement faux, la vie de ma mère. Une meuf de perdu et 10 doigts de retrouvé. Retour à la branlette. Je vois nique. Les gens. Les amis, tout à l'heure, je vous ai mis une photo où on voyait la famille de Lionel Messi et je croyais que c'est le frère ou le père qui porte le maillot de l'OM. Vous avez dit, ouais, Momo, Messi supporte pas l'OM. C'est pas parce que un mec de sa famille met le maillot que Messi supporte l'OM. Et si je vous trouve une photo, moi, je l'ai, la photo, l'unique photo, la seule de Messi avec un vêtement de l'OM. Vous la voulez ou pas? Bon, après le distributeur de Kadji, il faudrait un distributeur de Gadji. Donc tu mets une pièce dans le cul de la meuf et tu la récupères comme ça. Je comprendrai jamais les gens qui prennent des Xbox avec leurs grosses manettes là. On dirait l'orteil avec une glue. Oh là frère. Hommage à Kobe Bryant. Hey Kobe. Check man bro. Check man bro. Hey Kobe. Hey look me. Look me. Check man. Check man bro. Je comprendrai jamais les gens qui prennent du café décaféiné, mon frère. C'est comme si tu prends de la cocaïne décocaïnée, frère. À quoi ça sert? Oh là, je comprendrai jamais. Expliquez-moi. Je comprends. Bonjour. Vous aurez du microglou? Vous avez ou pas? Il n'y a plus. C'est du saumon de Norvège, en fait. Ça part vite, ça part vite. C'est pas du microglou, ça? Ouais, bah, la prochaine fois alors. Ouais, ouais. Merci. Je vous appellerai. Ah, c'est gentil. Merci. Dès que vous en recevez. Allez, l'OM, hein. Au passage. Ils ont osé. Ils ont osé appeler ça le petit brie, frère. En appelant ça plus grand que la Tunisie, le fromage. Pour le gigantesque brie. Les meilleures glaces de France. Les meilleures glaces de France. Incroyable, voilà. Faut changer de musique?
Dis Momo, quel est ton style de meuf? Tu préfères les blondes, les brunes ou les rousses? Bah les couilles, tant qu'elles sucent. Hey bro, hey, check man bro, check man, check. Voilà les Américains là-bas, pour se dire bonjour, qu'est-ce qu'ils font? Hey bro, check man, check bro, hola. Hey, au moins tu tombes moins facilement malade. En France, on se fait la bise, hola. Les mecs qui se font la bise en France, comme si on était des parrains siciliens. Le mec, il arrive, déjà, il est malade, il pue la maladie à 2 km, il te fait la bise. Ah, chez nous, c'est 8. Et ta grand-mère, va me faire pas la bise, ta tête de bisounours, va. Pas nous, en France, pour dire frère, on dit frérot. Voilà, ça suffit. Après, à part les Parisiens, c'est à part. Voilà, les Parisiens, c'est wesh ma gueule. La vie de ma mère, ils aiment trop dire ça, wesh ma gueule. Même ils demandent leur meuf en mariage, wesh ma gueule, veux-tu m'épouser? Oula, alors daronne, wesh ma gueule, je te prends du pain à la boulangerie. Même alors daronne, ils disent wesh ma gueule, la vie de ma... On me dit, Momo, que penses-tu du réchauffement climatique? Bah les couilles, j'ai une piscine, ouais. Aïe! Voilà, on dirait un rappeur de Perpignan, qui n'a pas percé, avec mon bob et mes lunettes, la vie de ma mère. On fait pas d'omelette sans casser des œufs, on fait pas d'enfants sans casser des culs. Elle veut mon hume, j'ai Snapchat, elle veut de la pub, je veux sa chatte, 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 trois petits chats. Que... Bon les amis, un petit conseil que je vous donne, bon je sais que la plupart de ma team, ils ont pas de piscine, hein. Vous êtes tous galéré comme moi, je sais ce que c'est de pas avoir de piscine. Toute mon enfance, je l'ai passée dans une bassine, voilà. Mais ceux qui ont une piscine, occupez-vous bien de l'entretien de la piscine. Ou sinon, vous allez retrouver comme Momo à la vider à la main. Voilà, j'ai vidé tout ça à la main, les amis. C'est incroyable, frère. Ouais, Momo, tu vides ta piscine pour inviter des meufs et te vider les couilles. Ben ouais, logique. Je peux inviter des tortues dans ma piscine. Je vois ni... Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Comme si je n'existais pas. Si tu savais. Bon la team, ce soir j'ai envie de manger japonais. Donc je vais vous montrer comment on fait pour manger un bon plat japonais. Super tuto cuisine les frères. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Je vais tout vous montrer en plusieurs étapes comment se faire un festin japonais. Restez branchés, prenez une prise. Pas une prise là. Alors prenez une prise les amis. Et restez branchés. C'est électrocuté ça craint. Alors première étape les amis pour manger japonais. Vous voyez. Alors la première étape, tu prends ton téléphone, t'appelles le restaurant. Étape 1 les amis. Alors première étape 2, faire la commande. Oui monsieur, oui, il me faudrait un plat de sushi. Des brochettes saumon avec du riz vinaigré, avec la vie du vinaigre, oui. Des raviolis, crevettes vapeur et poulet frit, s'il vous plaît. Merci. Et des tempuras. Merci beaucoup. Cordialement. Merci beaucoup. Ah, gardez la monnaie, monsieur. Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. Étape 3, récupérer la commande. Ouais, logique. Ah, gardez la monnaie. Et voilà la dernière étape, les amis. Donc, je vous ai montré toutes les étapes pour avoir de la bouffe japonaise. Voilà. J'espère que vous êtes contents du tuto, les frères. Chouanik. Eh hey, salut, ça va? Ouais ça va, merci. Tu fais quoi dans la vie? Ostéopathe? Moi aussi. Comment tu t'appelles? Justine? Moi c'est Aziz. Oh, où tu vas? Reviens! Mais reviens, qu'est-ce que t'as, grosse folle, va? Hey bro, how are you today? Check man bro, check man. Hey bro, check. Ouais, il a appelé.
Il y en a plein, ils me disent Momo, t'as maigri. Non, rien à voir, c'est mon pull qui est trop grand. C'est la technique, les amis. Pour paraître maigre, vous prenez deux fois votre taille. Vous flottez dedans, voilà. Les gens, ils vont croire que vous êtes anorexique. C'est comme les mecs à la salle de sport, les mecs qui font les gros balèzes, voilà. Vous croyez, on sait pas que vous achetez des t-shirts taille 14 ans, XXS, pour ça vous va serré, vous faites des balèzes, voilà que c'est. Quand une meuf, elle apprend qu'elle est cocu, elle dit quoi, ouais. Je t'ai jamais trompé, il y a un tas de mecs qui voulaient de moi pourtant. Nuance. Il y a un tas de mecs qui voulaient te baiser. Il y a un tas de mecs qui voulaient pénétrer ton tunnel vaginal. Mais combien voulaient t'assumer? Combien? Zéro, grosse folle, va. Avec ton cul plein de blé chef, la vie. Comme quand t'envoies un message à une meuf sur Instagram, tu m'envoies coucou, ça va? Elle va voir toutes ses copines. Eh, devinez quoi? Devinez, y'a qui m'a écrit? Ouais, y'a l'autre, il veut sortir avec moi. Nuance. Je veux juste te baiser, en fait. Les meufs, là, tu leur envoies deux, trois messages, elles vont voir leur copine, ouais. Il veut me demander la main. Non, non, il veut te mettre des mains. C'est tout ce qu'il veut, en fait, là. Les meufs, elles sont célibataires à cause de leurs copines. Elles se font manipuler, oh là. Leurs copines, toute la journée, elles leur montent le cerveau, ouais. Vas-y, laisse-le, il te mérite pas. Tu mérites mieux. La phrase préférée des meufs célibataires qui arrivent pas à voir de mecs. Tu mérites mieux. Qu'elle mérite mieux. Oh là, c'est quoi mieux, en fait? Mieux, c'est le vent. Mieux, c'est l'oxygène. Y a rien du tout, en fait. Oh là, tu peux avoir le mec que tu veux. Ta copine, elle peut tellement avoir le mec qu'elle veut qu'elle en a aucun. It is amazing. Je vous nique. Là, les meufs que tu vois célibataires à 35 ans, c'est les meufs qui se sont fait manipuler par leurs copines. Ouais, tu peux avoir le mec que tu veux. Tu mérites mieux. Quitte-le, ce chien. Il te mérite pas. Il te mérite pas. Le pire, c'est la copine qui dit à sa copine, ouais, vas-y, prends ton temps, ça sert à rien de se précipiter. Alors que elle se met en couple, au bout de deux semaines, elle tombe enceinte, elle garde le bébé, elle se marie, voilà, et elle dit à sa copine, prends ton temps. Pendant que toi, tu prends ton temps, ta copine, elle prend son pied, la vie de maman.